allez bien? Moi ça va. Aujourd'hui c'est le grand jour. Mais vous savez déjà pourquoi je fais la meuf. Vous savez déjà, vous l'avez vu sur Instagram. Mais on va en Laponie, voilà. On a une tenue de ninja en dessous. Parce qu'en fait il va faire super froid. Donc on a mis genre des soupules et tout. Et je transpire. Voilà les gars, enfin un rêve se réalise. Les lutins, on arrive. Like this video if you want Louis to stop smoking. If we have 50k likes on this video, which is gonna be really hard, you stop smoking for a week, at least. Come on, babe. I don't know. Okay. Woohoo! Okay, les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein? Vient d'arriver, je sais pas si j'ai envie de pleurer ou si j'ai envie de crier, mais c'est incroyable, c'est trop beau les gars, je vais vous montrer, mais c'est vraiment trop beau. Bon, la nuit tombe là d'ici quelques minutes, donc il va faire noir, mais on a eu la chance d'arriver qu'il fasse encore jour, et franchement c'est trop beau. Voici notre chambre, regardez-moi ces deux baies vitrées immenses, et regardez cette vue. Look at that. J'ai pas de mots, oh. Just turn on. C'est encore plus magique. J'ai une enfant, je suis une enfant. Fuck, it's so beautiful. Regardez ça. Genre, je sais pas quoi faire d'autre que de sourire à la caméra et de vous montrer. Officiellement notre premier jour ici, je suis genre devant la fenêtre depuis ce matin, j'arrive pas, c'est si beau. Le programme de la journée, ce matin on a déjeuné, c'était super bon, franchement les propriétaires ici sont tellement adorables. Ils ont un petit chien qui s'appelle Gooseberry et oh, c'est un cœur, ils sont vraiment genre adorables, ils nous ont cuisiné le petit déj. Et ils sont allés au magasin, ils m'ont acheté plein d'options vegan, ils m'ont fait un porridge et tout, enfin bref, trop adorables. Donc voilà, on s'est dit qu'aujourd'hui on allait prendre la petite journée pour juste tranquille explorer. Enfin là le soleil se lève comme s'il était 7h du matin en France alors qu'il est bientôt 10h. Il fait nuit noire vers 16h tu vois. Parce qu'après tu peux faire des trucs la nuit hein, genre c'est éclairé et tout, mais c'est juste un peu moins plaisant et je vais pas vous mentir, moi je me chie dessus. Genre hier ils m'ont dit oui allez vous balader dans la forêt et tout, c'est tranquille la nuit, y'a rien, y'a pas d'animaux sauvages et tout. Moi je suis la meuf qui attire les ours tu vois. Moi tu me dis y'a pas d'agneau et comme par hasard demain dans le journal, une jeune fille de 23 ans retrouvée décapitée par un ours hier soir dans cette petite ville calme de la Laponie. Et après y'a tous les habitants qui disent ah mais franchement c'est si calme ici. Non ils ont pas l'accent du sud en Laponie. Un truc comme ça tu vois. Voilà. Look at you. J'ai jamais vu un ciel aussi beau. Regardez-moi ça. Oh. Incroyable. We are not organized. We don't know what to do. We're walking around. Du coup bah, on est arrivé à Lévis, franchement c'est trop mignon. On dirait vous savez les villages dans les films de Noël, c'est 100% ça. Là bah, en vrai on sait pas du tout quoi faire, donc on marche un petit peu, on a envie de louer une luge mais on n'en voit pas. Ouais, étape trouver une luge. Je vais vous laisser avec nos pas dans la neige. On n'a pas trouvé de nourriture mais on a acheté une luge. Le sens des priorités. Après 3 heures à débattre sur ce qu'on va faire,
Au final, on n'a rien fait à part acheter une luge. Et vu qu'on n'a pas de voiture ni qu'on n'a pas trouvé de moto de neige là, eh ben on décide de rentrer à pied à la maison. Sachant que c'est un trek de 1h30 et qu'on n'a pas de map. Enfin, on n'a que Google Maps quoi. Donc, souhaitez-nous bonne chance. Heureusement que demain et après-demain, on a des guides. Franchement, je vous recommande de bien vous organiser à l'avance, pas comme moi. De ne pas tout faire au dernier moment. But we're having fun, right? Yeah. Yes. Ça fait 1h20 qu'on marche et à la base il disait qu'on avait 1h20 pour aller à l'hôtel. Et quand on regarde la map, ça nous dit qu'il nous reste encore 1h20 pour y aller. Je ne sais plus qui croire. Il va bientôt faire nuit et on est dans la forêt. Très rassurant tout ça, vraiment. Je vous ai même pas updaté. Les gars, on est bien rentrés, sains et saufs. Il s'est passé ce qui s'est passé, on a finalement pris un taxi. Puisque monsieur disait qu'il avait la situation sous contrôle. Absolument pas, il n'y avait aucun contrôle. Enfin, on était clairement... En fait, si on avait continué à marcher, on aurait marché encore, je pense, peut-être une heure dans le noir, dans la forêt. Sans réseau, sans rien, no thanks. Et ce soir, il y a peut-être des chances de voir une aurore boréale. On va pas se mentir, on est venu ici pour ça. Hein. Ouais, quand tu viens en Finlande, tu vois pas forcément... Qui m'appelle? Je ne réponds jamais aux appels, il faut savoir ça. Ne m'appelez pas, je n'aime pas répondre aux appels. T'as des chances de voir des aurores boréales. Genre ça arrive très souvent ici, mais c'est pas forcément dit que tu en verras. Donc, on manifeste, on garde espoir. Moi j'ai dit que ce soir il y allait avoir une aurore boréale. Une aurore boréale. Boréale. Il faut que tu dormes. Bon, il n'y a pas eu d'aurore boréale comme je l'avais prédit, mais on a quand même décidé de se bouger un petit peu et d'aller dans ce parc. Je sais pas comment le décrire. C'est un ancien set de film qui a été abandonné et du coup ils l'ont transformé en ce truc un petit peu féerique médiéval. Et en fait, il y a plein de petites activités comme du lancer de hache. Oh. Oh. Wow. Voilà, très random. Louis était bien plus fort que moi. Genre, regardez à quel point je me ridiculise, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est magique. Oh, good job, babe. On a aussi fait du tir à l'arc. Je vous avoue que je me suis sentie super badass, mais bah, comme d'hab, hein, non, il n'y a pas de potentiel. On a globalement passé une très bonne soirée. Ensuite, on est rentré tranquillement à la maison. On s'est posé, on a passé une heure sur nos téléphones. Faut vraiment qu'on s'améliore avec ça. Vraiment parler de ce qui vient de se passer ou... J'ai pleuré, voilà, j'ai pleuré et je suis encore émotive. Je sors de la douche, d'où mon swag international. Mais en vrai, ce peignoir, j'ai dit à le voler. Tu vois, c'est pas un hôtel, donc je peux pas me permettre de le voler. Il faut que je vous raconte la matinée de ce matin, parce que du coup, j'ai juste pris des images, enfin, j'ai essayé de prendre un maximum d'images, mais c'était vraiment galère parce que on avait les mains, en fait, qui gelaient. En 2 secondes, il faisait vraiment très très froid. En fait, on est parti, je crois, vers 10h ce matin. Et on a été en fait, on est passé par le parc national, apparemment. Polas Poulos. We're gonna call it Polas Poulos. Je sais pas comment ça s'appelle. Je vous mettrai le nom ici. Et franchement, c'était incroyable. Mais il faisait vraiment très 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 froid. Quand je vous dis très froid, c'est genre du moins 20 degrés. Et du coup, dès que j'ai enlevé mes gants pour prendre des vidéos, je ne pouvais plus bouger mes mains et tout. Enfin, c'était un désastre.
coup ouais, j'ai pas pu vlogger grand chose, mais c'était juste ouf. Vraiment c'était ouf de voir des paysages comme ça. Le guide qui est avec nous, une pépite. Alors ce qui est trop bien, c'est qu'en fait pour ce voyage on a pris vraiment que des petits business. Notre but principal c'était de voir un maximum de nature. Du coup c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment fait tous les trucs super connus ici, genre la maison du Père Noël, le palais des glaces, etc. Ça a l'air incroyable à voir, c'est vrai, mais on n'est pas venu pour longtemps et du coup bah, on a dû choisir et faire une sélection des choses qu'on voulait vraiment faire. Et du coup bah, on a aussi décidé de booker que des petits business par bouche à oreille. Donc j'ai rien booké sur internet. Alors c'était un petit peu un risque de notre part puisque en fait on n'avait rien booké à l'avance. On a attendu d'arriver ici et ce qui est génial c'est que du coup l'endroit où on est là qui s'appelle Levi Foxfire, je vous mettrai aussi l'adresse en description, c'est un couple qui tient cette sorte de Airbnb. En fait c'est leur maison et ils ont créé en fait deux petites chambres en plus et du coup en fait ils ont plein de bons conseils. On a un petit peu fait avec le flow et on s'est fait conseiller des petites choses comme ça et on a réussi à booker en fait nos trips à la dernière minute. On avait les raquettes, mais vous savez les vraies raquettes en bois comme à l'époque, pas les trucs en plastique et tout. Enfin bref, c'était juste trop cool, l'expérience elle était trop bien. Il nous avait même préparé des petits snacks et tout qu'il avait cuisiné lui-même, enfin un amour, vraiment un amour. Et on a été directement au spa. On vient de rentrer de notre petite excursion et là on est en maillot de bain, enfin en peignoir dans la neige et on va faire du sauna, hammam, tout le truc tu vois, ça va être trop bien. Le mec il est en Vans et short dans la neige, nickel, regardez comme c'est beau. Et ce spa était juste genre dingue, c'était trop bien. Les gars, c'est ouf, c'est trop beau. Attendez, je vous envoie plein de fumée de mon corps. On est au max, hein. On est au max. Là, du coup, on est dans cette petite cabane qui s'appelle un kota et on a un petit feu juste ici. On va pouvoir cuisiner nos petits trucs. Moi, j'ai rien pris à cuisiner. Par contre, je suis deg, je voulais faire des marshmallows, mais j'ai oublié d'en prendre. Nickel. Ah, les gars, c'est trop bien, c'est trop bien. Et du coup ce soir on a eu la chance de voir une aurore boréale au-dessus de chez nous et je sais même pas comment vous dire, ce matin je me suis levée, j'ai dit ce soir il va y avoir une aurore boréale de ouf juste au-dessus de chez nous. Et bingo, parce que les excursions d'aurore boréale ça coûte cher. Et là on a eu la chance de juste ouvrir notre porte et d'avoir ça au-dessus de chez nous. Je sais même pas comment l'expliquer, c'était ouf. Et franchement je pouvais pas rêver d'une meilleure expérience. Troisième jour ou quatrième jour en Laponie, je suis actuellement toute seule en train de marcher et je me rends en fait en bas de la rue. Là il y a une sorte de ferme avec des rennes, c'est deux jeunes qui tiennent cette ferme. Je leur ai proposé sur Instagram de venir les voir et de filmer un petit peu leur travail, comme ça je peux rencontrer des rennes pour la première fois de ma vie, puis je peux aussi en apprendre un peu plus sur leur travail et leur mode de vie qui est genre totalement différent du mien, genre littéralement l'opposé. Je vis sous une île sous 30 degrés, ils vivent en Laponie, sous moins 40 des fois. Donc bref, je crois que je suis arrivée déjà. C'est là? Non, c'est peut-être un peu plus loin. Regardez-moi ce paysage, c'est pas incroyable? Alors ça fait un petit peu peur quand même, j'avoue que là je marche sur le bord de la route comme la sécurité avant tout. On va passer du temps avec eux, après je crois que Louis me rejoint pour aussi rencontrer les rennes. J'étais la plus motivée à me lever tôt pour aller les voir. Je vois que j'arrive là, je vois la cabine. Je vous reprends dès que je suis avec madame et avec les reines.
Hello. Oh, mais t'es trop mignon. How you call these things? Oh, handlers? No, finish your boyfriend. Oh, okay. Okay. They go both in one. Yeah. He's selfish, he wants everything for himself. Yeah, that's Ukko or rescue. For you, it must be like so usual. I feel like. It's so crazy. Je deviens toute rouge, ça fait une heure et demie que je suis dehors et je me gèle, vraiment j'ai froid. Prenez vraiment des équipements si vous venez ici. Parce que moi du coup j'ai pris des choses cute, mais cute ne veut pas dire que ça te couvre du froid, Davy. Et là j'attends Louis qui me rejoint, ensuite on va retourner voir les rennes. Et elle prend mais tellement soin de ses rennes, c'est vraiment incroyable la façon dont elle en prend soin. Et ils ont une qualité de vie aussi incroyable parce qu'ils ont un espace, en fait ils ont toute une forêt. Donc les barrières que vous voyez là, c'est pas vraiment un enclos, c'est que eux ils ont vraiment toute une forêt. Et l'été ils les laissent en liberté aussi dans des grandes baies, un peu comme celle où on avait marché, du coup on a été marché hier. Donc c'est immense. Et la plupart des rennes qu'ils ont, c'est des rennes qui sont tout petits en fait, c'est des jeunes rennes. Donc ils sont pas du tout là pour travailler, pas du tout, ni pour être exploités pour la viande. Ne vous inquiétez pas, c'est pas une ferme, ils mangent pas leurs propres rennes, hein, voilà. Et aussi ils font refuge. Par exemple là ils ont un renne qu'ils ont trouvé dans la forêt seul, sans sa mère. Donc ils l'ont récupéré et ils ont dû le nourrir au biberon toutes les 3 heures pendant des mois et des mois. Aujourd'hui bah, il a grandi, je vous l'ai montré, il est trop mignon et c'est fou. Alors c'est vrai que c'est bizarre de voir un renne aussi domestiqué, mais genre il essaie de jouer avec toi et tout, enfin c'est trop mignon. Et ils font aussi retraite pour les rennes par exemple qui sont trop vieilles pour vivre sainement dans la forêt. Ils les font venir ici, elles peuvent finir leur jour tranquillement avec les soins médicaux qu'il faut, avec la nourriture, etc. Donc c'est trop cool parce qu'ils aiment vraiment leurs bêtes et ça se voit. Voilà, regardez-moi ce soleil. Bon Louis, faut qu'il se dépêche là, faut qu'il se bouge le cul. Bon, on est tous les deux de retour à la chambre. C'était vraiment super cool. Oh, l'écureuil, attendez. Oh non, il est running away. C'est notre dernière journée, malheureusement. C'est passé tellement vite, pas envie de partir. Mais en même temps, dans 2 semaines, je vois mon petit Paco. Donc bref, je vais arrêter de parler et me préparer et vous montrer un petit peu les paysages et les trucs incroyables. Bon, j'ai mon ventre, je suis à 2 doigts de me chier dessus. Nickel, on vient de manger mexicain, la bonne idée. Ça faisait 4 jours qu'on n'avait pas vraiment mangé un vrai repas, parce que depuis 4 jours en fait on achète au supermarché et on mange à la maison, parce que la raison simple est que bah là en fait pour manger 3 tacos et des tortillas, on a payé 80 €, 40 € au restaurant et 40 € de taxi. Donc comme je vous ai dit, tout est super cher ici dans tous les cas. Je vais littéralement me chier dessus. But my belly is so fucked. On va se dépêcher de rentrer parce que j'ai besoin de toilettes. Je profite des derniers instants de jour pour faire une petite balade. On a perdu Louis. Il a supporté, en vrai je suis fière de lui, il a très bien supporté le froid. C'était la première fois pour lui, enfin autant de froid en fait, et la neige en général. Demain on s'en va tôt, on s'en va à 7h30 du mat pour l'aéroport et on passe une journée à l'aéroport d'Helsinki. Enfin bref, c'était tellement tellement bien, c'était genre limite trop court. Genre je conseillerais, si vous voulez venir, de booker, si vous voulez vraiment faire un maximum de choses, peut-être une semaine. Mais encore une fois, c'est des voyages qui coûtent très très cher. Enfin tout est très très cher. Je vous ferai à la fin de la vidéo, on se posera et je vous expliquerai un petit peu genre tous les tarifs et tout. Je m'imaginais que ça allait être bien, mais en fait c'est encore mieux que ce qu'on imagine. Donc je dirais que ça vaut à 100% le coup. Je sais que ça va me manquer au moment où je vais partir. Ça m'a fait tellement du bien, ce voyage en Europe en général. Ça m'a fait réaliser plein de choses. Bon déjà j'ai grave profité, je suis arrivée en novembre, enfin mi-novembre. Ça va être début février, donc je vais être partie pratiquement 3 mois. Et franchement, je sais qu'avant de partir de Bali, je vous avais dit que je me sentais pas forcément genre à 100% à la maison, qu'il fallait encore que je m'adapte, etc. Mais être loin en fait de là-bas, ça m'a fait me rendre compte que je me sens vraiment bien et que la qualité de vie que j'ai là-bas,
elle est incroyable, que la culture de mon amoureux aussi est incroyable et que ça me manque. Genre, il y a plein de choses qui me manquent, les Indonésiens me manquent, la bouffe me manque, les paysages, la chaleur me manquent et je suis hyper reconnaissante d'avoir pu m'installer là-bas. J'ai aussi bizarrement pris encore plus confiance en moi. Enfin, c'est trop chelou, je sais pas, je suis un peu passée par une phase. Franchement, novembre, décembre, ça a pas été une phase où j'étais très très bien. J'étais trop heureuse d'être chez moi, mais j'étais vraiment pas bien. Je me mettais une pression sur les réseaux, je voulais faire du contenu tout le temps. Je me forçais en fait, je me forçais parce que je voyais, on va tourner parce que j'ai pas envie de me perdre non plus. J'avais une sorte de trou d'inspiration et j'avais l'impression de pas avoir assez de concept et tout. Je prenais pas forcément du plaisir à faire mes vidéos. Je pense que ça m'a aussi ouvert les yeux sur le fait que j'ai envie de revenir à un contenu genre plus spontané, sans forcément de concept de ouf. Bon là, oui, on fait un vlog en Laponie, donc c'est un peu la mauvaise vidéo pour vous parler de ça, mais en règle générale, quand je vais revenir à Bali, on va reprendre des petites vidéos tranquilles. Si j'ai pas de concept, je prendrai la caméra pour vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer. Enfin bref, j'ai l'impression que YouTube en ce moment c'était pas la meilleure période pour tout le monde. Réalisez vos rêves. En vous donnant un petit peu les prix et les tarifs, etc., combien ça nous a coûté à peu près en tout. Les billets d'avion pour nous c'était 800€ par personne, l'aller-retour. Une nuit dans cet endroit ça coûte 325€ et ensuite tu comptes les frais de taxi, les activités qui coûtent environ 100€ par personne. Si tu loues une voiture ça va coûter peut-être environ, je sais pas moi, 200€ pour 3 jours, un truc comme ça. La nourriture aussi qui est pas donnée, par exemple quand tu vas dans un restaurant ça te coûte environ 40€ à deux, et c'est pour ça qu'on a mangé qu'une fois au resto, sinon on a mangé des sandwichs et tout, donc ça au niveau de ça on a pas mal économisé. Après on n'a pas fait au moins cher. Je pense qu'il peut y avoir moins cher dans des hôtels un peu plus genre dans le centre du village, mais du coup évidemment les paysages ils sont moins magiques, mais vu que c'est super prisé ici, je pense qu'ils en jouent beaucoup et qu'ils montent les prix en fonction de ça en fait, en fonction du nombre de gens qu'il y a. Et j'ai pas vraiment de bons plans à vous partager parce que ben, à part le fait de peut-être faire des courses et de moins manger à l'extérieur, j'aime pas trop parler d'argent ni rien, mais je sais que c'est une question qui va revenir beaucoup, donc je préfère vous le dire et tout vous laisser en lien. N'hésitez pas, si vous aussi vous êtes venu et que vous avez des bons plans ou quoi, de les laisser en commentaire parce que ça peut être intéressant. Donc je vais vous laisser avant de perdre ma voix totalement. Prenez soin de vous, suivez-moi sur Instagram si c'est pas déjà fait, abonnez-vous, il y a plein de vidéos trop cool qui arrivent. Et on retourne à Bali dans une semaine. Je vous aime, gros bisous, prenez soin de vous, mangez bien, faites du sport si vous avez envie, soyez heureux et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bisous! Je veux rester ici, moi. Show me your soul.